Merci Ignace et bonjour tout le monde, ceux qui nous écoutent au site Kivu et ailleurs. Je pense que l'essentiel, c'est l'objet de la présentation de cet ouvrage. Et quand j'ai entendu Madame Ikwe, quand j'ai entendu le professeur Kitoka Moke, j'avais une grande joie. Pourquoi une grande joie? C'est parce que déjà, ils sont au cœur de la réflexion et qui fait partie de l'intérêt de cet ouvrage intitulé « Résilience et transformation des conflits dans les États des Grands Lacs africains. Théorie, démarche et application ». Les éléments qui concernent ma présentation, vous les avez. Je suis Bosco Muchukiwa Rukakiza. Je suis actuellement le directeur général de l'ISDR Bukavu. C'est l'Institut supérieur de développement rural, agréé et reconnu par l'État. Et en même temps, je suis professeur à l'Université évangélique en Afrique, IEA. Donc, je crois que cet ouvrage va constituer, d'après moi, un objet de discussion entre les scientifiques et les praticiens. Comment je présente les idées? Mes idées ici, je les présente sur quatre éléments, notamment, vous avez l'importance du livre, pourquoi j'ai écrit cet ouvrage, et quels sont les éléments de motivation qui m'ont poussé. Vous allez les découvrir ensemble avec moi. Deuxième élément important, je vais vous présenter la structure de cet ouvrage. Qui dit structure, je vais présenter les grandes parties et en même temps les contenus, j'appelle ça les contenus minimal de cet ouvrage. J'espère que c'est une façon d'inviter les différents lecteurs de continuer à les lire, éventuellement de m'adresser des observations. En troisième lieu, après avoir fait une recherche et en même temps écrit les résultats de sa recherche, quelles sont les grandes leçons que j'ai pu retenir? Il y a des leçons, il y en a plus, il y a encore nombreuses, mais moi, ce que je vais faire ici, c'est de prendre l'essentiel. Donc, je vais essayer de résumer les idées, prendre les idées les plus importantes. Et finalement, je me pose une série de questions que j'ai essayé de résumer en trois. Et là, je me pose ces questions pour moi. C'est en fait pour susciter les lecteurs et les autres qui viennent d'ailleurs d'écouter toute la présentation de Madame Ikwe et du professeur Isaac pour m'adresser des observations et finalement continuer à creuser la réflexion sur la théorie des transformations des conflits, de creuser la réflexion sur la recherche-action appliquée au conflit, éventuellement ce grand débat autour d'un concept, je dirais même une notion importante, sur la résilience. Alors ceci me permet de dire, d'après moi, quel est l'intérêt de cet ouvrage. J'ai pu comprendre que Madame Ikwe avait déjà présenté, et d'ailleurs j'étais en train de me dire, par rapport à ce qu'elle a dit, qu'elle a été au cœur. Et parmi l'importance de cette écriture, c'est d'abord de susciter ce débat-là entre les praticiens et les scientifiques. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, nous relançons cette réflexion dans les milieux académiques et également pour les collègues et les autres qui sont sur le terrain. Donc moi, j'ai retenu trois importances. La première, c'est que le livre explique de manière explicite et précise le rapport entre la théorie, les démarches et les applications que j'appelle ici la résilience. C'est la première importance. Et la deuxième importance, qui est d'abord liée à la première, c'est que j'ai fait une analyse critique et j'ai pu comprendre que le professeur Kitoka Moke a fait vraiment une critique sur mes réflexions et même Madame Ikwe a fait également. Donc, moi-même, j'ai fait une analyse critique des pratiques des acteurs, ces pratiques qui sont relatives à la théorie des transformations des conflits, relative à la méthodologie comme moyen de production de connaissances. C'est que nous avons suffisamment documenté des pratiques de réconciliation, de consolidation de la paix. Ce sont, à mon avis, des éléments qui nous permettent de faire. Troisième élément, c'est que je démontre d'une manière ou d'une autre, qu'on peut l'accepter ou pas, c'est qu'il y a des échecs, des capacités, des résiliences. Ce sont ces échecs-là, notre façon de rebondir. Est-ce que les capacités qu'on a mises en place nous permettent, nous, d'apporter des solutions appropriées? J'ai entendu que le professeur Kitok, il a déjà introduit des types de résilience, et pourtant il y en a plusieurs. Il y a des résiliences positives et les résiliences négatives. Donc, ce n'est pas le moment de faire de réflexion. Il est à Bukavu, au sud qui voit avec moi. Nous allons continuer le débat en dehors de cette conférence. Donc, deuxième élément, c'est la structure. C'est la structure de cet ouvrage. Et dans la structure de cet ouvrage, il y a trois parties essentielles. Donc, quelles sont ces parties essentielles? La première partie est consacrée à la théorie des transformations des conflits. Quels sont les éléments qui sont abordés dans la théorie des transformations des conflits? Une première chose, je suis en train de montrer que par rapport à cette première partie, c'est que je démontre que la théorie des transformations des conflits qui a été développée dans les années 80 par un éminent professeur, et d'ailleurs, il est le grand à ce qui concerne notre domaine de transformation des conflits, Jean-Paul Lederach. Donc, sa théorie est peu connue dans le milieu francophone. Pourquoi? Parce qu'il a écrit en anglais, cela ne suffit pas. Vous pouvez même traduire cet ouvrage en français pour nous permettre aussi de comprendre. Ce qui fait que la théorie est mal connue, mais également elle est mal appliquée. Appliquée par les artisans des paix, les faiseurs de la paix, mais les gens qui pensent qu'ils ont bien compris la théorie et les transformations des conflits mettent en place des applications qui sont inefficaces, donc inadaptées à la réalité et qui n'encadrent pas, qui n'entrent même pas dans la théorie de Jean-Paul Lederach. Raison pour laquelle j'ai essayé, comme dit Madame Ikwe, j'ai essayé à ce qui me concerne d'élargir le champ de la réflexion et rendre cette théorie plus ou moins potable et acceptable, et tout le monde peut lire et comprendre. Et en fait, l'avant-dernière idée par rapport à ce qui est développé dans cet ouvrage, c'est en fait, je demande que, et là, j'étais en train de faire une critique importante, c'est par rapport à la réflexion du professeur Jean-Paul Lederach et éventuellement à un autre grand, c'est Johan Galtung, et qui est dans le livre, qui montre qu'il y a une manière unique de faire la transformation des conflits ou la transcendance. J'ai dit qu'il n'y a pas une seule manière, qu'il y a plusieurs façons de transformer les conflits intra- et intercommunautaires. Et je termine pour montrer qu'il y a plusieurs manières, parce qu'il y a diversité des approches pour transformer les conflits en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Donc, la deuxième partie, elle est, à mon avis, aussi importante, et c'est là également l'importance de cet ouvrage, c'est que j'essaie de faire une réflexion sur ce que j'appelle la méthodologie. Et cette méthodologie est considérée comme elle est propre aux organisations gouvernementales, nationales et internationales. Les gens disent ici que c'est une affaire des organisations et non une affaire des scientifiques. Donc, les scientifiques s'y intéressent. Deuxième élément ou troisième élément, à mon avis, c'est que les connaissances qui sont réunies aujourd'hui par cette méthodologie qu'on appelle la recherche-action participative appliquée au conflit, donc, ces connaissances sont peu appliquées pour faire quoi? Pour adresser les conflits, notamment les conflits identitaires, les conflits qui sont liés à la gestion des terres, à l'accès aux ressources. Et ces connaissances sont peu appliquées pour résoudre les questions de l'injustice sociale, pour résoudre les questions de l'inégalité sociale. Donc, toutes ces questions ici, qui sont d'ailleurs dans les entités administratives et territoriales, toutes ces questions relatives au conflit de pouvoir coutumier. Donc, lorsqu'on applique ces approches ne permettent pas de ressouder le lien social. En fait, quatrième, par rapport à cette idée-là, c'est que les capacités, donc cette théorie ne permet pas de faire de nouvelles découvertes, mais aussi d'intégrer un grand nombre dans les discussions, les échanges, les dialogues au niveau de la communauté et avec les autres communautés. Ce qui fait, en fait, c'est que Les étapes que les chercheurs utilisent ne sont pas les mêmes, c'est comme ça que j'ai constaté. Il y a un effort d'harmonisation. Je crois qu'on doit faire un effort, c'est le travail également, je l'ai fait, sur l'importance de ce travail, c'est de chercher d'harmoniser des faits de synthèse de démarche. C'est contestable, on peut contester. Moi, j'ai fait un travail, j'ai proposé une démarche qui peut ramener la réflexion et permettre. La troisième partie, je crois que c'est peut-être la raison, c'est la résilience. Ce concept de résilience, quand on entre dans la littérature, dans la documentation, on trouve que c'est un concept qui a été utilisé en physique, finalement en économie, en démographie, en sociologie, et rarement il est entré maintenant dans le domaine de médiation et de conflits. Donc, il est récent. C'est dans les années 2010-2014 que ce concept est entré, et surtout ici au site Kivu. Mais c'est pourquoi j'ai écrit que c'est une notion nouvellement appliquée au conflit. Et comme elle est nouvellement appliquée au conflit, cela peut expliquer qu'il y ait une diversité de capacités de résilience. Il y en a plusieurs ici au site Kivu, parce que les conflits sont nombreux et de toutes les sortes, on les trouve presque dans toutes les entités administratives et territoriales. Ça signifie également, c'est pourquoi vraiment j'ai beaucoup construit la dernière partie, ce n'est pas suffisant, mais ce que je voulais montrer, que les applications, la manière dont on applique les règles, les capacités de résilience, cette manière est inadaptée et peu efficace. Pourquoi? Parce que justement, pour être facile, dans un français facile, ces capacités ne tiennent pas compte des enjeux des conflits, ne tiennent pas compte de l'épicentre des conflits. Il y a un élément important, et c'est lequel là je voudrais revenir, ne permettent pas de cerner le dilemme des conflits, comme le dit Jean-Paul Lederach. C'est pourquoi expliquer que nos actions qui sont posées sont des actions de prévention, sont des actions de type urgentiste, de type humanitaire, qui est durable. Comment passer de l'humanitaire à ce qui est durable? Ce qui fait que nos solutions, à mon avis, sont des solutions, et je dirais, mitigées. Donc, ici, j'ai dit, il y a un échec, nous devons réfléchir et revenir à la réflexion pour trouver des approches qui sont appropriées à des types de conflits qui déchirent aujourd'hui l'Est de la République démocratique du Congo et éventuellement les États de la région des Grands Lacs. Et finalement, quand j'ai fait tout ceci, je crois que j'ai essayé à ce que mes... C'est ça, après avoir mené des recherches comme consultant, après avoir rencontré des personnes, je me suis posé une question, qu'est-ce que peut-on retenir? Je crois, et j'ai pu comprendre, je crois que Madame Ikwe et même Kito, que les autres qui vont intervenir, le livre est riche. Il y a beaucoup de leçons. J'ai essayé de condenser les leçons et j'ai dit, on peut retenir trois grandes leçons, leçons essentielles. La première, c'est que les approches de transformation des conflits dans les États des Grands Lacs africains sont inefficaces jusqu'à présent. Ça, c'est une première leçon. J'insiste beaucoup sur l'inefficacité de ces approches-là. Le deuxième élément, c'est que les endroits où on a appliqué, et là, je peux concéder au professeur Kito Kabouke, on fait le dialogue, on fait des plaidoyers, mais on remarque, là, on a fait ce dialogue, les médiations, c'est ça, à ces endroits-là, que les conflits ressurgissent. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas touché le cœur des conflits, on n'a pas touché les enjeux, on n'a pas été capable de discerner les dilemmes, ce qui fait que nos capacités de résilience sont incapables de ressouder les liens sociaux et ne permettent pas de reconstruire le dialogue. Et nous avons la situation d'ailleurs, il a parlé de ce qui est en train de se passer dans les mois et les hauts plateaux du Congo. Les gens venaient immédiatement de Kinshasa il y a 2 semaines, je peux même dire 3 semaines, mais quand je vois toute la foulée de personnes sur la rue en train de courir, et là, ça vient encore conforter ce que je viens de dire. Et troisième leçon qui est également importante à mon avis, c'est qu'on a suffisamment documenté par la méthodologie. Nous avons suffisamment de connaissances, mais il est très difficile de marier les connaissances, les théories et les données. Ce qui fait que les capacités qui sont proposées ne répondent pas aux conflits, au type de conflits, aux enjeux. Et là, je suis en train de parler des limites qui conduisent à des résultats mitigés. Alors, comme chercheur, comme auteur, à mon avis, j'ai trouvé qu'il fallait provoquer les gens, il fallait poser des questions. C'est ce que c'est le travail d'un chercheur. Je ne suis pas sûr que je posais toutes les questions les plus pertinentes, mais le plus important, c'est qu'on peut réfléchir dans le cadre de cette conférence vidéo, réfléchir sur soit toutes les questions. La première, comment faire autrement et de manière efficace la transformation des conflits en République démocratique du Congo, en particulier, et dans les États des Grands Lacs africains. Ça, c'est une première. C'est la première question. La deuxième question, comment ressouder les rapports sociaux qui ont été brisés par les conflits intra- et intercommunautaires en République démocratique du Congo et dans les États de la région des Grands Lacs africains. Et la troisième question, comment réconcilier maintenant? Et là, j'ai fait aussi la résilience par rapport à ce que Mme Ikou a dit. Elle a dit comment on peut maintenant marier la théorie, la méthodologie, si vous voulez, la démarche et les applications pour transformer les conflits qui sont devenus, à mon avis, un problème en République démocratique du Congo et qui sont également un problème en ce qui concerne la région des Grands Lacs. C'est autant de questions qu'on peut se poser. Je pense que je suis ici pour écouter et éventuellement, j'ai besoin de toutes ces observations pour que je puisse les capitaliser et peut-être ouvrir et publier un deuxième ouvrage. Et d'ailleurs, je ne dirais pas que c'est le premier. Vous savez, Ignace, nous avons publié beaucoup de livres aux éditions Globethics, je crois. Vous vous rappelez, l'avant-dernier, ce sont les identités territoriales et les conflits au Sud-Kivu. Et c'est un document aussi important qui entre directement dans ce cadre. Je vis que... voilà, il y a celui-là. Il y a avant celui-là, le numéro 34. Est-ce que vous pouvez montrer le numéro 34? Le numéro 34, s'il est à côté. Donc, pour moi, Ignace, je crois que je suis devenu le familier des éditions Globethics. Voilà, je suis à la disposition pour avoir des observations. Merci beaucoup, professeur Bosco. Merci beaucoup, pour votre présentation de votre ouvrage.